Shalom, 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 bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, que la grâce du salut soit votre partage, la grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la tempérance, la foi, la fidélité soit aussi votre partage et la grâce de la soumission totale à la parole de Dieu. Encore, on peut encore dire l'obéissance totale à la parole du Seigneur soit votre partage, sans toutefois oublier l'engagement de pratiquer une vie de sanctification totale. Bien-aimés, l'esprit, l'âme qui sont liés au cœur et le corps soit votre partage. Soit aussi mon partage, même tous ceux qui sont répandus dans le monde, est-ce qu'ils ne vont pas aussi écouter que ça soit aussi le partage au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vraiment, plus rapidement, nous savons que je viens juste. Nous savons que je viens, nous venons encore juste témoigner. Donc, la servante Esther vient encore témoigner de la part de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et avant qu'elle commence à raconter son témoignage, je vais rapidement recommander ce moment de témoignage entre les mains du Seigneur. Donc, il y a ça, c'est une compilation. Donc, le témoignage, même ce message, le message en général, c'est une compilation. Donc, le témoignage accompagne avec l'interprétation profonde ou bien une petite exhortation à ce que le Seigneur a encore monté encore l'expérience que la servante Esther a encore eue dans le monde spirituel par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, je ne vais pas tarder, je vais rapidement recommander ce moment entre les mains du Seigneur par une courte prière. Seigneur, je bénis ton saint nom, je te loue, je te suis reconnaissant et te dis merci. Parce que tu ne cesses point de révéler des choses profondes à la servante Esther. Tu ne cesses point de multiplier les témoignages. Et tu ne cesses point, Seigneur, de nous inspirer, Seigneur. Tu ne cesses point de nous assister, Seigneur, à l'œuvre que nous sommes en train de faire pour toi, Seigneur, et pour ta volonté, c'est pour ta gloire, et pour que les âmes soient sauvées, Seigneur. Éternel, je rappelle, je reconnais, Seigneur, sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi je t'en supplie, Père Tout-Puissant, de venir conduire ce moment, en ce moment, Seigneur, de venir guider, Seigneur, de saisir. De venir guider Père, de venir guider Seigneur, de venir prendre total contrôle Seigneur, Seigneur dans mon esprit, Seigneur dans ma langue, Seigneur dans ma bouche Père, et de la même chose Père, sur dans la bouche Seigneur, l'esprit Seigneur de la servante Esther, c'est qui va témoigner Seigneur, Père je te prie de prendre total contrôle, et que tous ceux qui vont écouter ces témoignages soient touchés Seigneur, soient impactés Seigneur, par ces témoignages éternels jusqu'à la personne Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth Père, que le Seigneur se mouvoie en ce moment Seigneur, viens planer Seigneur, le Seigneur agis, Seigneur Père. Le Seigneur vient agir maintenant, ces personnes, c'est pendant ce témoignage. Que les citoyens soient un témoignage, Père, qui puisse avoir la vie, Seigneur, qui redonne la vie, qui restaure, qui galvanise, Seigneur, qui affermit les fois, ces personnes, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, vraiment, la servante Esther va vraiment donner le témoignage. Comme je vous ai dit que le message même en général, donc quand le message en général, c'est une compilation du témoignage de la servante Esther accompagnée aussi avec l'interprétation, ou bien l'interprétation, mais une petite exhortation où je vais joindre encore à ce témoignage afin que ce témoignage puisse être encore plus. Que ça puisse être encore plus puissante, encore plus impactant, plus puissant et plus impactant, d'une manière positive, positive, bien-aimé, puisque la parole de Dieu dit qu'à la loi et au témoignage, ouais, le témoignage est là et la parole du Seigneur vient encore pour soutenir vraiment la véracité du témoignage, pour soutenir vraiment l'efficacité du témoignage, pour démontrer la valeur, l'importance de ce témoignage, bien-aimé.
Donc, soyez encore bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, rapidement, la servante Esther, vraiment, la servante Esther va vous témoigner. Nous allons passer à l'autre phase où la servante Esther va vous raconter, va vous narrer, va vraiment vous partager son expérience. Et je vous exhorte vraiment en toute humilité d'écouter en esprit et en vérité, bien-aimé, d'ouvrir le cœur afin que d'ouvrir vraiment le cœur, de laisser que ce témoin imprègne dans vos esprits au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Shalom famille, shalom, shalom. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. C'est avec le cœur rempli de joie et de reconnaissance à Dieu que je viens vous adresser ces paroles pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens rendre un témoignage pour la seule gloire et l'honneur de l'Éternel des armées. Pas plus tard qu'aujourd'hui même, j'ai fait un songe. J'ai fait un songe lors de ma sieste. Le Seigneur m'a accordé la grâce de voir comment l'ennemi est énervé. Lorsque nous faisons la prière de la consommation de la chair et du sang de Jésus-Christ. Alléluia! Frère, sœur, je voyais dans le sens comment l'ennemi était déchaîné, enragé, rempli de haine et de colère. Pour ceux-là qui font la prière de consommation de la chair et du sang de Jésus-Christ. Parce que ça détruit ses œuvres. Ça détruit ses œuvres. Ça ravage ses œuvres. Ça détruit ses œuvres. Toutes ces semences démoniaques, toutes ces attaques qu'il nous lance, ces flèches qu'il nous lance. Ça détruit réellement. Je bénis vraiment le nom du Seigneur de m'avoir permis d'entrer en contact avec l'apôtre Prémis. C'est lui qui a établi ce contact et je bénis son Saint-Nom. Parce qu'il n'a pas permis à ce que l'ennemi me sépare de l'apôtre Prémis. Parce que, en fait, c'est une bénédiction pour moi et je manque tellement de mots. Je me rappelle encore dans les débuts. L'ennemi qui voulait tout faire pour me séparer de l'apôtre Prémis à travers les songes pour me montrer une mauvaise image de l'apôtre Prémis. Mais gloire à Jésus-Christ, moi je ne suis pas du genre à tout de suite conclure après un songe. Je suis allée voir le Seigneur dans la présence du Seigneur, dans mon intimité, essayer d'analyser les choses avec les enseignements aussi de l'apôtre Prémis, comment discerner un véritable serviteur de Dieu, tout et tout. Et c'est tout ça qui m'a permis de rester là, connecté à l'apôtre Prémis. L'apôtre Prémis est vraiment une bénédiction. C'est à nous de le réaliser. L'apôtre Prémis est véritablement un serviteur de Dieu. Un serviteur envoyé par Dieu. Et je pense que c'est maintenant la deuxième fois que le Seigneur se révèle à moi sur cette histoire de consommation. La première fois, c'était lors de la prière avec l'apôtre Prémis. Lorsque nous étions en train de prier, nous étions en train de faire la prière de consommation de la chair et du sang de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a accordé la grâce d'être présente physiquement et spirituellement. Et donc, je pouvais voir comment cette prière que nous sommes en train de faire dans le physique ici, lorsque l'apôtre Prémis prononçait cette phrase-là, nous mangeons la chair et nous buvons le sang de Jésus-Christ. Je voyais dans le spirituel comment nous sommes véritablement en train de manger la chair et boire le sang de Jésus-Christ. Et la chair de Jésus-Christ, d'apparence, est comme du pain. Dans le spirituel, c'est ce que j'avais vu en fait. C'est le pain. Mais lorsque tu le mets en bouche, tu sens que c'est de la chair. Mais d'apparence, c'est le pain. Et après ça, j'ai rendu témoignage. Tout ça pour dire que le Seigneur est bon. Le Seigneur est en train de nous révéler de puissantes âmes destructrices des œuvres de l'ennemi. Et ça, c'est ce que Satan, l'ennemi, ne veut pas. Satan, le diable, ne veut pas de ça. Mais il a menti. Il a menti parce que notre Dieu va continuer à nous révéler les choses cachées. Nous révéler les mystères. Nous révéler les choses cachées pour que nous puissions continuer à détruire ses œuvres. Détruire ses œuvres. Détruire toutes ses œuvres maléfiques au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia.
Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, vraiment pour ce témoignage que la servante Esther vient de vous partager, pour l'expérience que notre Seigneur Christ a fait grâce vraiment de recevoir, d'avoir vraiment dans le monde spirituel, puis bien aimé, le monde spirituel est réel. Est réel, la même manière que le monde physique est réel, c'est aussi comme ça que le monde spirituel est réel. Celui qui nie le monde spirituel, il nie aussi que le corps, il nie aussi que le corps humain n'a point d'âme. Il nie aussi que le point humain n'a point d'âme et point d'esprit. Ouais, un peu. Parce que celui qui nie le spirituel, vraiment, celui-là ne connaît pas ce qu'il fait. Ça veut dire que s'il nie le spirituel, il ne doit plus exister. Puisque ce sont les éléments spirituels qui nous font vivre. L'esprit et l'âme, c'est ça qu'ils vont vivre. Le souffle de vie est spirituel. Le Dieu est spirituel. C'est ça qui nous fait vivre, bien-aimé. Donc, rapidement, nous allons voir comment est-ce qu'il a narré, autant pour moi, comment est-ce qu'elle a narré vraiment, raconté le témoignage, vous a partagé l'expérience qu'elle a eue. On va juste s'appuyer sur la parole pour démontrer, pour expliquer et démontrer davantage que vraiment, le témoignage même, ça vient du Seigneur, c'est authentique. Bien-aimé, c'est authentique. Quand je viens de jeter, c'est pour vous aider à examiner davantage. C'est authentique, bien-aimé. Nous voyons. Voilà, elle nous dit que, lorsque nous étions en train de prier, puisque nous avons toujours pour habitude, nous vraiment, des servants de Dieu et des serviteurs de Dieu, vraiment, que le Seigneur fait grâce de m'accompagner dans cette mission, bien-aimé, cette mission qui n'est qu'au début, où vraiment nous avançons ensemble par la grâce du Seigneur. Nous avons toujours pour habitude de faire la prière, la consommation, la chair de Christ et du sang de Christ. Ouais, un peu tel que le Seigneur nous fait toujours grâce. Et il n'y a pas une séance de prière ou une séance d'intercession ou une séance d'intercession, bien-aimé, ou bien il n'y a pas un moment de culte qu'on peut terminer en ligne sans toutefois que nous avons fait cette prière. Cette prière était jointement vraiment parmi l'une des étapes vraiment des prières que nous faisons souvent. Et nous avons pour habitude, pour mœurs, de faire cette prière de la consommation de la chair que Jésus a dit, telle que le Seigneur nous a toujours recommandé par sa grâce. Bien aimé, maintenant elle dit que du moment où nous étions en train de faire, elle dit même qu'elle a eu ça deux fois. Elle a eu cette expérience deux fois. Vous voyez, deux fois. Une fois quand nous étions en train de prier ensemble, et quand nous étions en train de prier ensemble, donc elle a vu comment lorsque nous prions spirituellement, nous mangeons la chair. Qu'est-ce qu'on est en train de dire que nous, parce que là nous sommes en train de prier spirituellement. Là, nous n'avons pas ni un pain physique à main, ni la chair de Christ en main. Nous n'avons pas ni le sang de Christ en main. Qu'on va dire que bon, le jus de raisin, d'une manière qu'on va boire physiquement, que ça symbolise spirituellement. Non, nous faisons juste une prière. Donc, nous prions que nous consommons la chair de Christ, nous mangeons la chair de Christ, en se tenant sur les passages bibliques. Qui nous parle de ça. Et elle dit qu'elle a vu comment l'ennemi était furieux. L'ennemi était tellement furieux. Et parce que tous les sémences diaboliques qu'il met en nous, ça les détruit. Les flèches maléfiques qu'il lance, ça détruit. Donc je vais essayer. La parole de Dieu nous dit dans Jean. Jean chapitre 6, verset 54, tu sais, verset 56. Que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia. Bien-aimés, nous comprenons ce que Jésus-Christ lui-même il dit de sa propre bouche. Il dit que celui qui mange sa chair et qui boit son sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Or, quand on parle de la vie éternelle et la résurrection, il y a la vie éternelle après la mort aussi, la résurrection après notre mort. Mais avant que nous ne mourons et avant que
Mais avant que nous ne quittions cette terre, ou bien nous ne mourons, bien-aimés, il y a aussi ce qu'on appelle d'abord, il y a aussi ce qu'on appelle, il y a aussi, il y a deux types, il y a ce qu'on appelle, on peut parler de la résurrection dans deux sens, on peut aussi parler de la vie spirituelle dans deux sens. Or, avant que nous quittions sur la terre, nous devons toujours avoir une vie spirituelle. Avant que nous quittions sur la terre, notre corps doit toujours être crucifié afin que nous ressuscitons en esprit, afin que nous ressuscitons en esprit, bien-aimé. Or, ici, il est question ici que, bien-aimé, tout ce qui a été touché dans ton corps, toutes les parties qui ont les douleurs, les maladies en toi, les parties qui ont été touchées par les maladies, par les douleurs, par les flèches ennemies, les sortilèges, les envoûtements, les empoisonnements spirituels ou physiques, les empoisonnements, bien-aimés, les nourritures de nuit vraiment, les semences diaboliques par les couches de nuit, les semences diaboliques qui sont entrées en toi par, quand tu fais encore la fornication, l'impudicité, tu vois un peu, et toutes les nourritures que tu avais mangées physiquement sans sanctifier, sans bénir, nous voyons que toutes ces choses amènent les semences diaboliques dans notre corps, sans toutefois oublier les semences que nous sommes nés avec, les œuvres, la chair, telles que la colère, la haine. La colère, la haine, l'emportement, la fornication, l'adultère qui est dans le corps, dans l'âme, et tout autre, la jalousie, la haine, la vengeance, tous ces œuvres ténèbres qui logent vraiment dans notre âme et dans notre esprit. Donc nous allons voir que lorsque nous buvons alors, parce que là, en ce moment-là, nous sommes encore, notre esprit est encore, en ce moment-là, il y a encore des semences diaboliques en nous. Et quand il y a encore, ça veut dire que notre vie spirituelle, on ne peut pas encore, notre âme et notre esprit ne peut pas encore avoir les sorts. Il n'y a pas encore les sorts de la vie spirituelle. Les sorts de la vie spirituelle dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Maintenant, il faut que, puisque là, nous sommes morts, en ce moment-là, nous sommes encore morts, vraiment. Nous sommes encore morts vraiment, bien-aimés. Donc, il n'y a pas encore une vie spirituelle en nous. Là, nous débutons encore. Maintenant, il faut que nous puissions avoir une vie spirituelle. Et pour avoir cette vie spirituelle, on ne peut pas, au fur et à mesure que le Seigneur détruit les semences diaboliques en nous, c'est aussi comme ça que la vie spirituelle s'installe en nous. C'est aussi comme ça que l'essor, il y a l'essor de la vie spirituelle en nous, l'explosion de la vie spirituelle dans notre cœur, notre âme, notre esprit, dans nos pensées. Voilà un peu. Et d'où maintenant, quand nous buvons et nous mangeons la chair de Christ, c'est pourquoi, c'est pour déclarer la destruction, déclarer le périssement, bien-aimé. Tu déclares la destruction et le périssement de ces œuvres. Vous voyez un peu? Donc, tu finis de manger. Je mange la chair de Christ, je mange la chair de Christ. Maintenant, quand tu finis de manger, tu commences à déclarer que ça détruit. Ça détruit à moi les semences diaboliques. Ça détruit à moi les envoûtements. Ça détruit à moi. Tu finis de boire. Tu dis que tu te tiens sur Jean chapitre 56, que je me tiens sur ce passage pour manger la chair de Christ et boire le sang de Christ. Tu commences à dire, je bois le sang de Christ, je bois sa chair. Bien, tu commences à déclarer, tu commences à déclarer que le sang de Christ et la chair de Christ, bien-aimé, tu commences à déclarer que ça détruit en toi, ça entre en fusion avec ton sang, en fusion avec tes veines, que ça entre en fusion avec ton âme, ton esprit, bien-aimé. Tu rends ivre ton âme avec le sang de Christ, tu rends ivre ton esprit avec le sang de Christ, tu rends ivre ton cœur avec le sang de Christ, tu rends ivre tout ton corps, tes veines, ton sang avec le sang de Christ, tu rassasies ton âme avec la chair de Christ, tu rassasies ton cœur, ton esprit, tes veines, tout avec la chair de Christ. Et quand tu finis de rassasier tout, tu finis de manger comme ça, tu commences à déclarer que ça détruit. Ça commence à détruire les envoûtements sur toi. Ça détruit les enchantements. Ça détruit les empoisonnements. Ça détruit, bien-aimé, les empoisonnements. Ça détruit les maladies en toi. Ça détruit les douleurs en toi. Ça fait périr les envoûtements.
ça commence à détruire. Comment ça, tu déclares que ça détruit la colère en toi, ça détruit l'emportement en toi, ça détruit la haine, ça détruit la vengeance, ça détruit tous les la chair, tous les défauts que tu connais, que tu as en toi, que ça peut être le start pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Tous les œuvres de la chair qui sont en contre la convoitise, la fornication, l'adultère, tu déclares que ça doit détruire. Même toutes les sémences que tu as, qui étaient ancrées lorsque tu veux la fornication, toutes ces choses, ça doit détruire. Les nourritures que tu as mangées, tu proclames, tu commences à déclarer que ça doit détruire, bien-aimé. C'est dans cet ordre d'idées où le diable était fâché. Et je vais vous. Et ça commence à détruire tout. Toutes les flèches qu'il a mis là, ça va détruire. Les mauvaises pensées, ça doit détruire. Et maintenant, après avoir fini de déclarer que ça. Pour la destruction. Maintenant aussi, maintenant, c'est prier pour la destruction. Maintenant, il faut aussi prier maintenant dans le sens que ça doit être. Tout organe qui a été affecté dans ton corps, toute partie qui a été affectée, détruite par ton corps, touchée par ces œuvres ténèbres. Passer sur la chair, tu commences à prier que Dieu restaure. Dieu commence à restaurer ta vie de prière. Là maintenant, c'est la résurrection. Là maintenant, c'est ça la résurrection. C'est là où il dit que celui qui m'a mâché boit mon sang à la vie. Et c'est là où je suis. Là maintenant, tu es en train de prier aussi selon ça. Tu pries maintenant que maintenant tu commences à prier que ça ressuscite ou bien ça restaure ta vie de prière. Ça redonne vie à tout ce qui a été touché dans ton corps, abîmé dans ton corps. Et tu commences à prier que ça restaure ta vie de prière, ça restaure ta vie d'obéissance, ça restaure ta vie de méditation, ça restaure ta santé, ça restaure la santé, ça te rajeunit, bien-aimé. Ça te rajeunit, tu commences à prier que ça rajeunit. Tout rajeunit ton corps, tes veines, ton sang, ça te rajeunit. Tu pries que ça te rajeunit. Tu commences à prier que ça te renouvelle. Ça renouvelle ton intelligence, tes dons. Tu commences à prier que ça te renouvelle. Tu proclames. Ça te renouvelle. Ça, c'est à la partie où on dit que ça, tu seras ressuscité et que celui qui boit et mange a la vie éternelle. Là, comme il a dit, et aussi, ça signifie aussi que la vie spirituelle aussi est sur la terre. Encore étant sur la terre encore, la résurrection, c'est la restauration de tout ce que l'ennemi avait tué en toi. Ça doit reprendre vie. Tu dois prier que ça te renouvelle. Ça te renouvelle aussi. Ça te renouvelle. Tu proclames que dans la paix, tu commences à déclarer avec puissance et force, autorité, sans blaguer. Tu es concentré. Vous voyez? Tu es concentré. Et maintenant, la parole de Dieu nous dit encore dans Jean chapitre 46, verset 48, verset 53, il dit que je suis le pain de vie. Ou vous avez entendu, elle a dit que lorsque nous étions en train de manger la chair, c'était comme le pain. lorsqu'elle voyait dans l'oreille spirituelle, quand on priait que nous mangeons la chair, elle dit que maintenant, c'était comme le pain. Quand on arrête, en fait, c'était comme le pain. C'est la chair de Christ, mais quand nous mangeons, c'est comme le pain. Voyez un peu. C'est ça qu'elle disait. Voilà pourquoi je dis que je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Vous voyez comment ça confirme sa vision. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui a mangé ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un a mangé ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Vous comprenez, Mia? Vous comprenez comment dans la vision, l'oreille spirituelle, elle disait qu'en même temps, c'est la chair qui est aussi comme le pain. Vous voyez comment Jésus-Christ, il y a correspondance. Il dit que je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Vous comprenez hein? comment cette exhortation, cette expression vient attester son témoignage. Donc là-bas, c'est indéniable. C'est indéniable, bien-aimé. Et il dit que là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant comment peut-il nous donner sa chair à manger? Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Vous voyez bien que les Juifs disputent, les Juifs sont levés, il y a eu des tumultes. Ils étaient énervés, vous voyez comment le diable dans l'esprit spirituel, le diable n'était pas content, il était fâché. Or, en réalité, c'est le diable qui a influencé les Juifs. Vous comprenez pourquoi le diable était fâché dans l'esprit spirituel. Et comment il influençait, il possédait les Juifs.
Ils étaient fâchés, ils étaient en colère quand Jésus-Christ dit qu'il est le pain, il est le pain qui est descendu, que celui qui mange ce pain a la vie. Et ce pain et sa chair. Donc ils n'étaient pas contents. Et c'est que là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus-Christ leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair, vous mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous comprenez déjà? Nous n'avons pas la vie en nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous ne faisons pas cette prière, bien aimé, vraiment, je vous assure, la première consommation de la chair de Christ et du sang de Christ, bien aimé, vous allez toujours vous sentir lourd. Quand tu pries, ça vient périr la lourdeur. Ça périt la lourdeur, ça périt l'envoûtement, ça périt, bien aimé, le sommeil lancé par l'ennemi, ça périt toutes ces choses. La pesanteur du corps, ça détruit même les malédictions dans le sang. Les malédictions générationnelles, ça détruit. Mais je peux vous dire, si vous voyez qu'il y a encore une autre maladie qui persiste en toi, malgré que tu fais cette prière, je t'assure, ça veut dire que le temps de Dieu n'est pas encore venu, que cette maladie doit finir en toi, ou bien cette maladie doit finir, le temps de Dieu n'est pas encore venu. Mais tu vas constater que dans d'autres choses, tu vas constater que tu vas voler spirituellement. Tu vas voler spirituellement. S'il y a encore un autre endroit où tu vas sentir encore sur un nouveau terme qui est encore là, ça veut dire que et encore, le temps de Dieu n'est pas encore venu, il faut encore continuer à persévérer, à prier comme ça et Dieu te délivrera aussi. Mais tu vas voir que les autres choses qui sont éternelles en toi, tu vas voir que ça va détruire, ça va commencer à détruire. Sauf seulement sur les endroits où Dieu lui fixe encore le temps pour t'éprouver davantage à persévérer dans la prière. C'est ça que Dieu va détruire. Et maintenant aussi, je voulais encore expliquer autre chose. Quand nous parlons, là, c'est, on appelle ça la consommation de la chair du sang de Christ dans l'oreille spirituelle. On appelle ça l'oreille spirituelle. Mais là aussi, quand on parle aussi de la consommation de la chair du sang de Christ, nous parlons aussi de la parole de Dieu. Parce que là, voilà la prière, cette prière détruit aussi. Maintenant, il y a aussi autre chose qui détruit aussi, qui nous redonne vie en nous. Et c'est ce qu'on appelle, lorsque tu médites la parole, tu écoutes les enseignements purs et tu les mets en pratique. Ceci, ça signifie que tu manges la chair de Christ, ça veut dire que tu manges le pain de vie. Parce que la chair de Christ, le pain de vie, représente aussi la parole de Dieu. Puisque par correspondance, on nous dit que la chair de Christ est le pain de vie tel que Jésus-Christ l'a dit. Or, on nous parle encore que le pain, c'est la parole. On nous dit que il est le pain qui est descendu du ciel. On nous dit aussi que la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Ça veut dire que la parole est descendue aussi du ciel. Vous voyez, ça veut dire que quand tu manges, quand tu médites la parole, tu t'écoutes les enseignements purs. Du fait que tu es en train d'écouter l'enseignement avec un cœur ouvert, un cœur disposé, je t'assure, du moment où tu es en train d'écouter l'enseignement avec un cœur ouvert, les enseignements enseignent aucune pure, tu es en train de méditer la parole de Dieu étant consacré en esprit, je t'assure, il y a une puissance qui sort dans les enseignements que tu écoutes d'un vrai homme de Dieu. Il y a une puissance qui émane de la parole de Dieu quand tu médites, qui ancre en toi. Et lorsque ça ancre, ça te donne la vie bien aimée, ça commence à détruire, malgré que tu ne pries pas. Du fait que tu médites, tu m'en pratiques, ça commence à détruire. Tout maintenant, la parole de Dieu dit que la parole de Dieu sanctifie. On nous dit que la parole et la vérité du Seigneur sanctifie. Ça commence à détruire les œuvres des ténèbres en toi. Ça commence à détruire les puissances des ténèbres. La même manière que la prière de consommation du sang de Christ, la chair de Christ, impacte positivement, comme je vous ai expliqué. Quand tu médites la parole de Dieu, tu écoutes l'enseignement, puis tu les mets en pratique, ça joue le même rôle aussi en toi. D'où maintenant, la parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse chapitre 10, que j'allais vers l'ange et en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale. Il sera amer. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalais. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'avais avalé, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Nous comprenons déjà que, et la parole de Dieu dit encore dans Jean chapitre 1, verset 14, que et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair et habitée parmi nous avec plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc nous voyons que la parole a été faite chair. Vous comprenez déjà? Vous comprenez encore, on nous dit que la chair, qui nous dit que sa chair est le pain. Sa chair est le pain, bien-aimé. On nous dit ensuite que la chair est aussi la parole, puisque la parole s'est faite chair. Vous comprenez qu'il y a correspondance, vous comprenez que tout ça, ce sont les mêmes choses.
La même chose, ça signifie la même chose. Ouais, il dit que l'ange dit que mange. Il dit que mange ce rouleau. Le rouleau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Là, si tu manges le rouleau, ça veut dire que tu es en train de méditer la parole. Tu es en train d'écouter les enseignements, la scène auquel ou bien tu écoutes des témoignages. Là, tu es en train de manger la parole. Là, je sors dans le sens que vous faites de la prière. Voilà le deuxième sens, tu manges la parole. Et lorsque tu es en train de manger la parole, tu mets ça en pratique. Je t'assure. On dit que ça sera doux comme le miel dans ta bouche. Doux comme le miel, ça veut dire que le fait que c'est doux comme le miel, ça veut dire que l'effet que ça provoque en toi, c'est en train de te transformer, c'est en train de te sanctifier, c'est en train de te purifier, c'est en train de détruire les œuvres, la chair dans ton corps, c'est en train de détruire le péché en toi, c'est en train de détruire toutes choses qui n'honorent pas le Seigneur en toi, que je vous ai dit dès le départ, quand nous faisons cette prière. Parce que la même manière que la prière impacte, c'est comme ça que la prière à consommation de la chair que ça impacte, détruit des choses en toi, redonne vie. C'est comme ça que quand tu médites la parole de Dieu, tu mets ça en pratique, ça joue le même rôle. Ça joue aussi le même rôle, bien aimé. Et d'où maintenant on nous dit que ça sera ancré, amené dans les ancrailles. Je veux que ça amène dans les ancrailles. Ce sont des persécutions. Voilà pourquoi vous avez vu que le diable était en colère, il était enragé pour que ça détruise ses œuvres. Et comme il est enragé, il va venir vous persécuter, il va venir vous tenter, il va venir vous attaquer, il va venir vous oppresser. Il va venir vous oppresser, bien-aimé. Il va venir qu'est-ce que des difficultés, des circonstances négatives qui ont fait que, bien-aimé, ça vient contre toi. Et ça, c'est ça qu'on appelle que c'est amé dans les entrailles. Parce que ça sont des persécutions. Parce que le diable en colère. Or, quand le diable en colère vient persécuter, parfois nous allons voir, c'était son inquiétude à l'intérieur de nous. Tu es dans l'inquiétude. Parfois, tu es dans les soucis. Parfois, il vient. Tu sens que les pressions te touchent. C'est ça que ça met dans les ancrailles. Donc, bien-aimés, soyez encore bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce n'est pas un enseignement, une prédication, mais c'était juste vraiment un témoignage, c'est une compilation de notre message constitué du témoignage et l'interprétation ou bien une petite exhortation pour soutenir, démontrer la véracité de ce témoignage que le Seigneur a montrer, à faire grâce à la Sainte Esther d'avoir une expérience spirituelle. Donc, bien, je vous assure que je vais vous conseiller à chaque fois, toujours, la prière à consommation de la chair du sang de Christ à partir d'aujourd'hui. Sachez que lorsque vous faites chaque jour, ne manquez pas de faire ça. Si et seulement si vous obéissez au Seigneur, si et seulement si vous avez envie de sanctification, je vous le dis. Donc, si faites ça chaque jour, donc je vous le conseille, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, sache que quand tu fais la prière à consommation du sang et la chair de Christ, bien-aimé, pense toujours à ces témoignages, ça va te donner beaucoup plus de foi, ça va impacter. Et ça, je sais que quand tu médites la parole de Dieu, tu écoutes les enseignements à la scène aucune pure, les enseignements à la scène aucune pure, comme je fais souvent là, ou bien de d'autres, c'est des gens qui sont aussi dans la scène aucune vraiment. Bien-aimé, je vous assure, bien assuré, et que tu mets ça en pratique, tu médites la parole, tu mets ça en pratique, ça joue un même impact positif dans le monde spirituel, la même manière que cette prière de consommation là, qui se joue, ça joue aussi comme ça. Soyons convenus dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen.